الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في باب الزكاة في صحيفة 430، إذا خلط رجلان مالهما. On est au chapitre zakat et au sujet ici deux personnes ont mélangé leurs biens. إذا كان في التجارة والزروع لا تفيد إلا تثقيلا. S'il s'agit du commerce et du les céréales, l'agriculture, alors le fait de mélanger, ça ne donne que alourdissement. أما إذا خلطا المال في الماشية، mais s'il s'agit des bétail, les animaux comme les moutons, les bovins, les chameaux, des fois c'est le fait de mélanger, ça donne alourdissement, des fois ça donne allègement. يقول مثلا لو ملك كل من الخليطين 40 شاة أول المحرم وخلطا أول الصفر لم تثبت في الحول الأول، يخرج كل منهما في محرم على حدة، لأنهما ملكا نصابا في محرم. Si chacun avait 40 moutons dans le mois de Muharram, ils ont mélangé leurs biens dans le mois de Safar. Safar, c'est après Muharram. Alors, Muharram prochain, chacun il paye à part parce qu'il avait le seuil à part tout seul pendant un mois. Alors, chacun il donne un mouton à part. Yu'ti shat 'ala hida. Une brebis d'une année. Huwa idha kan al-ma'iz, si son troupeau c'est des chèvres, il donne une chèvre de 2 ans. Si c'était de brebis, il donne une brebis. إذا كان كل القطيع ماعز يخرج ماعز، وإن كان غنما ضأن يخرج ضأنا. هلا العام الذي بعده، بما أنه صار المال كأنه لرجل واحد، 80 فيها شاة، فصار كل واحد يخرج نصف شاة على الاثنين شاة. L'année prochaine, supposons les moutons, ils ont resté 80. Alors l'année prochaine, les deux, ils donnent une seule brebis. Pourquoi? Parce que le deuxième seuil, c'est 121. Alors pour 80, c'est 1. Pour 40, c'est 1. Pour 120, c'est 1. 121, c'est 2. Et dans le ghanam, awal nisab 40. Le nisab thani 121. Et dans le ghanam, il y a 80, 90, 100, 120. Il y a chat 1. Et dans le 121, il y a chatan. مثلا لو كان كل منهما له 100 شاة خلطا المالين. Si il avait chacun il avait 100 moutons, ils ont mélangé. À la fin de l'année, c'est 200. C'est 200, 100 ou 190, 199. يخرج كل واحد شاة، لأن النصاب الثالث 201. Parce que le troisième seuil, c'est 201. Et chacun il a 100. Alors, lorsqu'ils ont mélangé ou ils n'ont pas mélangé, c'est la même chose. Chacun il va donner une brebis. لأن سواء خلطوا المال أو ما خلط، لأن من دون الخلط 100 شاة فيها شاة واحدة. وإذا خلطا فصار عن المجموع 200 أو 190، أيضا في شاتين، لأن النصاب الثاني 121، النصاب الثالث 201. فهنا الخلطة لا تفيد لا تثقيلا ولا تخفيفا، إذا كان كل واحد له 100 شاة. يشترط للخلطة في الماشية اتحاد المشرب والمسرح، يعني مشرب كلتا الماشيتين واحد، مسرحهما المكان الذي تجمع فيه الماشية قبل أن تساق إلى المرعى اسمه مسرح. يشترط أن يكون واحدا. Lorsqu'on dit on a mélangé, c'est-à-dire l'eau qu'on donne c'est le même. Les deux troupeaux ils mangent ils boivent de la même place. المسرح c'est le local, l'endroit qu'on réunit les deux troupeaux avant d'aller faire le pâturage, c'est le même. Al-mar'a, le pâturage pour les deux, c'est le même. Al-mar'a, aydan wahid, li kilta al-mashiyatayn, laysa kull wahid yumayyiz mashiyatahu. C'est les deux, ils vont aller au pâturage au même place. Wa yushtarat ittihad at-tariq, le même chemin, ils prennent les deux troupeaux dans le même chemin. Marahuhuma ay ma'wa al-mashiyatayn fi al-layl wahid, lo ils passent la nuit, les deux troupeaux, c'est la même place. Alors voilà, on a dit, voilà, c'est un, ils ont bien mélangé leurs biens. On dirait, c'est pour une seule personne. La place où entraient les brebis, c'est la même place.
مكان سقيها لوندروا او البواف سي لو ميم، والماء ماء السقي واحد، لو ا دوني ا بواغ سي لو ميم، اي لوندروا او اون لوغ دون ا بواغ سي لو ميم. هذه شروط الخلطة في الماشية، سا سي لي كونديسيون او سوجي دو دي تروبو. هنا عادة هيك ممكن يعني يخلطوا بالغنم بالبقر، لا ادري، بس يعني قد يحصل ايضا في الابقار. ويشترط اتحاد الحارث والملقح والجداد والحصاد والحمال والحافظ والجرين في الشجر والزرع، وعلى كل بالشجر والزرع لا تفيد الا تفقيلا. Au sujet des arbres fruitiers, les dattes et les vignes. Au sujet des céréales, le blé et le riz, il a dit il faut que celui qui laboure la terre, les deux terres, c'est le même. Celui qui fait les fécondations pour les dattes, at-talqih bi-nisba lit-tamr, c'est le même. Al-jaddad, ceux qui cueillent les fruits, c'est le même. Ceux qui font la récolte, al-hasad, al-qamh, wash-sha'ir, wal-adas, c'est le même. Ils cueillent où ils font la récolte des blés et des grains. Celui qui surveille, al-hafiz, celui qui surveille, c'est le même. Al-jarin, l'endroit où on réunit les fruits et les céréales, al-makan alladhi tujma' fihi al-thimar. Tuqtaf, tujma' fi makan. On cueille, puis après on réunit, on rassemble dans une seule place. Elles doivent être le même pour les deux vergers. هذا قليل أن يحصل خلطة بالزروع. Ça c'est rare qu'il y aura un mélange dans les. À nos jours, c'est presque on n'entend pas que les gens réunissent les conditions au sujet des fruits et des céréales. واتحاد الحارس والمكان فيما إذا كانت الخلطة في عروض التجارة أو النقد. Alors, ici, il s'agit de commerce. Alors, il faut que la place et celui qui surveille soient le même. Alors, شو بيحصل بالتجارة؟ بيكونوا في شركاء. Deux, trois ou quatre, ils font du commerce. Alors, voilà, on fait la zakat comme si c'est une seule personne. Et dans le commerce, ça ne donne qu'à l'ordissement. Nous, نحن أربعة اشتركنا وعملنا مؤسسة ضخمة. ونبيع كل ثياب وطعام وشراب، هذا لا يفيدك إلا تفقيلا. ليش؟ لأنه كل ما زاد عن النصاب فبحسابه، كل ما يزيد فبحسابه. Alors si on a fait, on s'est réuni 2, 3, 4, 5, 10, et on a fait une société et on a ouvert des magasins à vendre, alors après à la fin de l'année on estime tout ça et on paye la zakat. Alors بعدين انت بتقول طيب واحد عنده النص والعشرة عندهم نص، فبيكون واحد اللي له نص هو عليه نص الزكاة والعشرة باقيين عليهم نص. Dans le cas où on dit mais on est 10, un seulement lui il a mis la moitié, hein? Et les neuf qui restent ils ont mis la moitié. Alors celui là il donne la moitié. يعني nous on, de toute façon lorsqu'on calcule on dit maintenant on a 2 millions, il y a 2 millions, il y a la زكاة 50 000. Parce que pour 1 million, 25 000. Pour 2 millions, 50 000. Tu vois? Savoir, rabihna wala khsirna, dans un commerce, si tu as gagné ou pas gagné, c'est parce que c'est un commerce. C'est pas une question que tu payes la zakat du gain. Tu payes la zakat pour l'ensemble des marchandises et de l'argent liquide. Az zakat, fi urud al-tijara, tuhsab ala qimata al-bida'a wal-mal. الذي يستعمل في التقليب وقيمة البضاعة آخر الحول، سواء ربحنا أو لم نربح، سواء ربحنا أو لم نربح، ليس هي الزكاة ربع العشر من الربح، إنما هي زكاة على المال. لا زكاة لومون اوبليغاتوار او نيفو دو كوميرس، سي با بور لو غان سور لو غان، مي سي بور لونسومبل دي بيان. Si on a, comme on a dit, l'ensemble de nos marchandises, si on les vend d'un coup maintenant, c'est 2 millions, alors il faut payer 50 000. Parce que pour 1025, pour 1 million 25 000 et pour 2 millions 50 000 à donner aux pauvres, aux misérables, aux personnes endettées. تعطى للأصناف التي ذكرها الله في القرآن. فإذا تحقق اتحاد المالين أي تحققت هذه الأشياء، أي عدم تخصيص مال أحدهما بشيء دون مال الآخر، كان مالهما كمال رجل واحد.
Dans le cas où on a bien rempli, la place est le même, le gardien est le même, on n'a pas spécifié ce bien par rapport à l'autre. Alors voilà, il faut donner la zakat comme c'est pour une personne. Alors, كيف مثلا تفيد تثقيل لا تفيد تخفيف؟ لأنه ممكن بالأول نحن بدأنا بشيء قليل. On a commencé par une petite somme. À la fin de l'année, on a un seuil parce qu'on est ensemble. Si chacun il est tout seul, il n'y a pas un seuil. Alors, parce que à cause du société qu'on a mélangé, on paye la zakat. Non, بالأصل بدأنا بمال قليل. بآخر الحول يعني ها بلغ النصاب. كل البضاعة بلغ النصاب. إيه نزكي، لكن لو كان كل واحد وحده ما حيطلع نصاب. لو كان كل واحد وحده ما خرج زكاة، لكن لأنهما خلطا وصار نصابا يزكي. إذا في التجارة والنقد الخلطة لا تفيد إلا تثقيلا، بالماشية أحيانا تثقيل أحيانا تخفيف. Au niveau du commerce et de l'or et l'argent métal, le fait de mélanger, ça ne nous donne que de l'alourdissement. Mais au niveau des moutons ou des bovins, oui, ça peut donner alourdissement, ça peut donner allègement, ça dépend le seuil. Kif. مثلا 90 ب 90 شات، لو كان كل واحد وحده حيطلع شات بشات، لما خلطوا 180 وبع باخر السنه كمان عندهم 180 ولا 190، لا تجب الا شات في الكل، شات واحده، فهنا افاد التخفيف. لذلك قال: ثم ان الخلطه في الماشيه تفيد تخفيفا ك40 شات خلطت بمثلها، انه 40 ب 40 اخر السنه بيطلعوا شات واحده. لولا الخلطة كان كل واحد أخرج شاة على حدة. Le fait de mélanger dans les moutons, dans les animaux, ça peut donner un allègement. Comme quelqu'un il a 40 moutons, l'autre il a 40. S'ils n'ont pas mélangé, chacun donne tout seul une brebis. Lorsqu'ils ont mélangé, ils ont 80, 80. À la fin de l'année, ils ont 80, 90 ou 100 ou 110. Les deux, ils donnent une seule brebis. Les deux. Pourquoi? Parce que le bien, il est devenu comme une personne. Et pour les moutons, le premier nisab, le premier seuil, c'est 40. Le deuxième, c'est 121. Depuis 40 jusqu'à 120, tu donnes une brebis. 121, tu donnes deux. Si tu as, après le troisième seuil, 201, c'est-à-dire si tu as 200, tu donnes deux. 201, il faut donner trois. Après. Tu donnes toujours 3, 3 jusqu'à 400. Si tu as 400, tu donnes 4. Après chaque 100, une. 500, c'est 5. 600, 6. 7, 700, 7. Si tu as 399, tu donnes 3. Si tu as 399, tu donnes. Parce que le quatrième seuil, c'est 400. Et par la suite, 500, 600, 700, 800, ainsi de suite. تفيد تثقيلا مثلا انت عندك 20 وانا عندي 20 tu as 20 brebis moi j'ai 20 brebis on a mélangé si on n'a pas mélangé il n'y a pas de zakat parce que pour 20 il n'y a rien mais lorsqu'on a mélangé après une année on a 40 45 50 on donne la zakat parce que 40 il y a la zakat et nous on a mélangé c'est devenu comme une seule personne بالاصل لولا الخلطه ما كان تجب ليش 20 شات ما فيها زكاه 20 ما فيها لما خلطنا صارت 40 خلطنا بصفر خلطنا بصفر 40 بصفر لما يأتي صفر الآخر قديش عندنا الآن 40 50 60 70 تخرج زكاة لولا الخلطة ما أخرجنا لولا الخلطة ما أخرجنا لأنه 20 على حدة لا زكاة فيها 30 35 ما فيها زكاة 20 و 30 و 35 و 39 il n'y a pas de zakat. La zakat commence lorsqu'on a 40. Alors tu vois ici on a à mélanger, alors on paye à la fin de l'année. Si on a un seuil, on paye la zakat. واحيانا لا تفيد لا تثقيل ولا تخفيف مثل 100 ب 100 او 90 ب 90. Si des fois ça ne donne ni alourdissement ni allègement. On avait par exemple 80-80. À la base, chacun il va donner une parce que pour 80 c'est une. Lorsqu'on a mélangé 162, alors c'est la même chose. C'est la même chose. On a mélangé ou pas mélangé. Pourquoi? Parce qu'à la base, on a un seuil. Tu as 80, tu as 60, tu as 80, tu as 100, tu payes une. Et lorsqu'on a mélangé, et on a maintenant 140, 150, 160, jusqu'à 200, tu payes deux. La même chose. Alors, ça ne donne ni allègement ni alourdissement.
قد تفيد تثقيل على واحد تخفيف على الآخر. Ça peut donner un allègement ici, un alourdissement là. Comment? واحد عنده 20 واحد 40. Quelqu'un il avait 20 et l'autre il avait 40. À la fin de l'année, on a 60, il faut payer une. Celui qui avait 40, il allait donner tout seul un mouton. Maintenant, il y a les deux, il y a 60. Alors celui-là, il donne, par exemple, le deux tiers d'une brebis et l'autre, il donne un tiers. فهنا, هذا استفاد تخفيف وذاك استفاد تثقيل. ما خلطنا المال, l'argent, il est maintenant le mouton comme une seule personne. Celui qui avait 40, il a profité. Parce que maintenant, lui, il paye la brebis avec l'autre. Et celui qui avait 20, à cause de qu'on a mélangé, il paye. S'il était tout seul, il ne paye pas. كان طبعا هي مصلحة الخلطة انه الراعي والحراسة والمصاريف كلها بتخف. يعني pourquoi il mélange parce que les frais après ça diminue que soit le berger, le chien, la place où dormir, le fait de s'occuper de moutons, c'est pas facile. Alors il mélange pour cette raison. وهما ولو بعدين même si après chacun il a mis une couleur pour ses moutons, ses brebis, il a mis une couleur verte et rouge. Ça, ils peuvent faire. Ça, ils peuvent faire pour distinguer cela. Même en Tunisie, j'ai vu, par exemple, ceux qui ont les chameaux et les chamelles, et ils font un signe. بيعملوا علام. عندهم طريقة بالعلام بحديدة بحموها وبيعملوا علام. Chacun il a un signe pour ses chamelles. Parce qu'il les laisse dans la nature. Tricombe, le Sahara. À un certain moment, lorsqu'il y avait le froid ou quelque chose, après il les ramène. Chacun il connaît ses chamelles par ses signes. هلا مثلا لو كان هذا عنده 20 هذا عنده 20 خلطا 34 وميزا 6 لا زكاة. S'il avait 20, 20, ils ont mélangé 37 ou ils ont mélangé 36. Et chacun, il a laissé chez lui à la maison 2, 2. Il n'y a pas de zakat parce que, tu vois, ce qui est mélangé, il n'y a pas un seuil. Khalato, khalata al-malayn, walakin lam yablugh nisaban. Walau kan majmou' al-mal, walau kan majmou' al-aghnam tablugh nisaban. Lian hadha aslan la yablugh nisaban, wahadha la yablugh nisaban wahdahu. Chacun n'a pas un seuil, mais ils ont mélangé une quantité et ils ont distingué deux. Les fuqaha, ils citent des choses comme ça dans le cas où telle chose a eu lieu pour connaître. Maintenant, inshallah, après, il nous reste encore deux, trois chapitres au sujet de zakat al-fitr. Zakat al-fitr, celle qu'on donne dans le mois de Ramadan et à qui on donne la zakat. Encore ça, c'est parmi les chapitres qui vont rester. Zakat al-fitr, la rupture de jeûne, comment on donne et à qui et la quantité. Et qui reçoit la zakat, c'est un autre chapitre. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad.